Comment mieux prévoir les vagues? Qu'est-ce qui les forme? À quoi pourraient-elles bien nous servir? Ces questions-là sont débattues cette semaine par des spécialistes venus des quatre coins du monde. Un échange de haut niveau qui se déroule au centre Ifremer de Plouzané, car les vagues, c'est du sérieux. De nombreuses entreprises sont intéressées par les évolutions de la recherche sur le sujet. Il y a des gens qui cherchent à exploiter l'énergie des vagues, ça c'est assez récent, mais surtout, dès qu'on veut construire quelque chose qui va soit sur la côte ou en mer, il faut quand même s'y préparer. Donc quand on veut construire une plateforme pétrolière, un bateau ou se préparer à une opération de débarquement quelque part, on a besoin de connaître les vagues. Si les plus grosses vagues du monde sont enregistrées dans l'Atlantique Nord-Est, des contrées bien plus exotiques comptent tirer profit de la houle dans les années à venir. Mon but, c'est de travailler dans l'énergie marine, donc principalement sur les vagues. Autour de Maurice, donc on cherche à exploiter, on a des vagues, on a de bonnes vagues donc qui viennent de l'Antarctique. Et on va essayer d'exploiter ça éventuellement. Au-delà de leurs recherches très pointues sur la houle planétaire, la plupart de ces jeunes scientifiques internationaux se retrouvent pour la plupart avec une même passion, le surf évidemment.